L'étincelle de ce projet a commencé par un téléphone. On m'a contacté pour célébrer le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas. Ceux qui m'avaient contacté s'occupaient beaucoup de musique contemporaine, puis tout de suite j'ai dit « Ah non, j'en fais de la musique contemporaine, moi aussi! » Parce que c'est vrai, en flûte à bec, on a quand même tout un répertoire. Mais on me reconnaît énormément comme musicien de musique ancienne. Les Boréades se spécialisent en musique ancienne. Et là, c'était pour moi l'opportunité de faire un amalgame. Et ça, j'ai tout de suite pensé à l'époque au Quatuor Bosini, parce que je savais qu'eux étaient très ouverts d'esprit, avec une très grande sensibilité aussi, surtout face aux instruments anciens. Les Boréades et Bosini, moi et Francis Colpron, disons, on se connaît depuis fort longtemps. Je dirais même probablement une trentaine d'années, peut-être un peu plus même. De mon ancienne vie où je faisais beaucoup de musique ancienne, j'ai travaillé avec Francis dans toutes sortes de groupes. Et puis nous, ça fait longtemps, en fait, le quatuor, on avait un peu le fantasme aussi de jouer sur instruments d'époque en quatuor Bosini. Les instruments anciens sont différents. C'est pas nécessairement comme les modernes. On a notre langage, on a nos caractéristiques. Et ce qui est important, c'était de trouver les compositeurs qui étaient capables de comprendre ça et surtout de respecter ça. Et avec les compositeurs Thierry Tidrault puis Trevor Grall, de jeunes compositeurs hyper talentueux, on a été vraiment choyés, ça s'est vraiment bien passé. C'est un tube très très simple, une flûte à bec avec des trous. J'ai aucune clé, aucun système qui pourrait m'aider. C'est pas les lèvres qui font l'embouchure. C'est une contrainte qui, à mes yeux, peut être très créative. L'instrument ancien a une approche de la corde, une approche de l'articulation vraiment différente. C'est plus souple, c'est moins fort, c'est vraiment un autre son. La corde de boyau réagit vraiment autrement à une pression extrême. Alors on a des arcs au grain qui sont absolument fantastiques. On a exploré en atelier à plusieurs reprises, voir qu'est-ce qui se faisait. Puis finalement, en fait, tout se fait. Simplement, le résultat, le son varie. Tu peux comme creuser dans la corde versus une corde moderne beaucoup plus rigide où est-ce que c'est plus horizontal comme mouvement avec l'archet. La musique ancienne, surtout pour Darlind, à l'époque était très novatrice parce qu'elle demandait à l'harmonie des textures qui sortaient de l'ordinaire. Il a fait des choses, des expérimentations harmoniques qui étaient très révolutionnaires et aujourd'hui encore très intéressantes. Les sept pavanes décrivent tout l'amalgame de ce qu'était la mélancolie. C'était très important pour nous de garder ça comme tel. Et par la suite, on s'est dit, il y en a sept pavanes. Pourquoi pas, entre les pavanes, trouver des liens particuliers qui, là, touchent à la mélancolie et au céleste. C'est comme ça que les compositeurs ont eu l'idée d'ouvrir avec une nova, terminer avec une supernova, et d'avoir des interludes entre les pavanes qui pouvaient nous donner une continuité. Le fait de mélanger mélancolie avec musique contemporaine nous amenait tout de suite une dimension qui pouvait inclure dissonance, grincement, tout ce que les instruments baroques peuvent faire sans qu'on ne leur a jamais demandé de faire, parce qu'on ne nous demandait pas de crier dans nos instruments, de chanter à l'époque. Je pense que cette rencontre entre les deux ensembles, ça crée beaucoup d'énergie. On était si heureux de travailler en plus grand groupe là, au mois de septembre, et je pense que ça va transparaître dans notre jeu, dans le plaisir de jouer ensemble. Ça transparaît aussi dans la façon dont les compositeurs ont écrit pour nous. On a deux équipes fabuleuses qui ont vraiment goût de travailler ensemble. Ça, c'est déjà, à mes yeux, un signe de succès. Là. Point de vue musical, j'entends. Ça va juste être le fun. On va faire des sourires à l'écran pour vous.